Monsieur le Président, le 26 août dernier, la ville de Longueuil et sa mairesse Caroline Saint-Hilaire ont adopté une résolution qui demandait le maintien des services postaux à domicile. Comme nous, les élus municipaux dénoncent cette décision de Poste Canada qui privera les citoyens d'un service essentiel tout en créant un vrai casse-tête d'aménagement urbain. À Longueuil, c'est plus de 5 000 résidences qui seront touchées d'ici 2015. Alors que les municipalités font tout pour adapter leurs services à une population qui vieillit, voilà que Poste Canada et les conservateurs sapent leur travail. Comment le gouvernement peut-il cautionner l'élimination des services postaux et surtout faire la sourde oreille à nos élus municipaux? Bravo! Madame la ministre des Transports. Mr. Speaker, you know, in 2012, Canada Post actually delivered 1 billion fewer letters than it did in 2006. And the state of play today is that two-thirds of Canadians actually do not receive mail at their door. In their five-point plan, Canada Post put forward changes that are going to ensure that Canada Post will be able to service Canadians in the long-term future. And I think it's important to note as well, too, Mr. Speaker, while some municipalities have made the choice that the honourable member has spoken to, the Federation of Canadian Municipalities, at its annual conference in Niagara, defeated a resolution soundly on this same topic. Wow.